Et il ne se repentira pas. Mais à propos, tu
Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Mon longo. Jésus est par cela même Azali na nzela na yango, le garant d'une alliance plus excellente. Lokolo ya boyoka ni eleki malamu. Garant, c'est-à-dire qu'il nous donne l'espérance que l'alliance que Dieu a traitée avec nous, c'est une alliance très excellente. Et le Seigneur bénisse la lecture de ces textes. À celui qui peut nous préserver de toute chose, soit fort, honneur et gloire. À celui qui peut nous préserver de toute chose, sont les vrais devants.
tu ne cesses de faire. Voilà, nous sommes tous toi qui nous as réunis ce soir. Nous sommes comptés parmi les gens qui sont heureux. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Toi, l'auteur de notre salut éternel. Je te recommande, Seigneur, l'ensemble de ce soir. Je te recommande tout un chacun entre tes mains. Les papas comme les mamans entre tes mains. Ma papa, ma maman, Seigneur, fais de leur vie ce que toi tu veux. Console les cœurs brisés, oh Dieu. Parle, Seigneur, au cœur brisé, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de Dieu. Utilise-nous comme de simples instruments. Pour la gloire de ton nom. Nous nous opposons contre tout esprit du monde. Qui vient compliquer le culte. Tout esprit qui vient voler l'entendement spirituel. Nous nous opposons au nom de Jésus-Christ. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Encore une fois, que Dieu te bénisse. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été convié au rendez-vous du grand roi. Tu es convié. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te donne des solutions. Que Dieu ne te renvoie pas à vide. Si tu étais venu en pleurant, que le Seigneur essuie tes larmes. Si tu étais venu avec des problèmes, que le Seigneur t'en décharge. Il avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et celui qui nous donne du repos, notre repos a un nom. Et c'est Jésus-Christ. Qu'il vienne dans ta vie. Qu'il te console. Qu'il te mette dans de meilleures conditions. Pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Nous avançons avec notre enseignement. J'allais dire, nous avançons avec nos interventions. Parce qu'aujourd'hui, nous allons mettre un terme à notre thème. Nous allons mettre un point virgule. Nous allons faire la récapitulation de ce qu'on a vu. Et prochainement, nous allons entamer avec un autre esprit. Il a plu au Seigneur que nous puissions d'abord nous arrêter ici avec ce Seigneur. Amen. Amen. Et notre souci est que tu maîtrises bien l'enseignement. Et c'est ça vraiment notre souci. Si ces choses sont ancrées en toi, vraiment tu es un vainqueur. Vraiment, tu n'auras peur de rien. Parce qu'en toi, il y a la parole de la promesse. Les grâces de David. On avait fait voir au début, le Seigneur a appelé un héros. Il a donné un secours à un jeune homme. Il a point de son huile sainte. On avait dit, quand Dieu appelait cet homme-là, il n'était pas un faible, il était un guerrier, un vaillant guerrier, un héros. Le Seigneur était en train
de le chercher. Et le Seigneur l'a trouvé. Le Seigneur l'a oint de son huile sainte. Il va croire sur son peuple d'Israël. Et on avait dit, cet homme-là, ce jeune homme-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il était déjà un héros avant qu'il ne vienne sur la terre. Parce que l'onction qu'il a reçue, c'est en tant que Christ sur la terre. Il a reçu sur la terre. Lorsqu'il est venu dans son ministère, quand on l'a baptisé, Jean a vu le ciel ouvert. Et l'Esprit du Seigneur descendre sur lui. Et sous forme corporelle, comme une colombe. Et c'était l'onction sur lui. Et lui-même, lorsqu'il entrera dans la synagogue, il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, envoyer libre les opprimés, délivrer les captifs, proclamer l'année de grâce du Seigneur. C'était la première onction qu'il avait reçue. C'était comme David qu'on a trouvé et qu'on a oint. Mais avant cela, on dit qu'il était déjà guéri. Il était déjà un héros. Il faisait des exploits. On avait dit que c'est Christ dans l'ancienne alliance. Quand il était encore un mystère, quand il ne s'était pas fait voir au peuple, quand il gardait les brebis de son père, il faisait déjà les exploits. C'est pourquoi je vous avais montré, c'était Jésus-Christ dans l'ancienne alliance qui délivrait le peuple de Dieu. C'était Jésus-Christ dans l'ancienne alliance qui était descendu pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte. C'était Jésus-Christ dans l'ancienne alliance qui délivrait Israël de toutes les nations qui l'opprimaient. Jésus-Christ dans l'ancienne alliance qui marchait avec eux pour leur donner la victoire. Mais ce temps-là, c'était un mystère. Et Dieu était en train de chercher cet homme-là. Mais le moment était venu où cet homme-là fut trouvé. Et le Seigneur l'a oint afin qu'il soit gardien de son peuple. Et son peuple, c'est nous. Et c'est David là, comme Jésus-Christ. Comme il était là-bas dans l'ancienne alliance, il dira aux Juifs, au jour de sa chair, il dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète, et qui l'a pris de ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Ah, il était là-bas dans l'ancienne alliance. Il voulait faire le travail de les rassembler. Mais le peuple ne comprenait pas le mouvement de Dieu. Parce que Dieu était un mystère. Mais quand il est venu dans la chair, il les a rappelés. Que c'est lui qui faisait toutes ces choses. C'est Israël. Parce que Jésus est venu dans la chair. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont condamné. Ils l'ont bâti les verges. Ils l'ont fait mourir. Parce qu'ils ne connaissaient pas que c'était leur Dieu de l'ancienne alliance. Sur cet homme-là, sur lui, par lui qui était versé.
versait sur lui. Il avait les promesses qui lui étaient faites à lui et à sa postérité. Il avait montré que Jésus-Christ et les grâces lui ont été faites. Sa main les soutiendra. L'ennemi ne les surprendra pas. Il va frapper ceux qui les haïssent. Il va mettre sa main sur la mer. Et son bras sur le fleuve. On avait déjà expliqué cela. Pourquoi est-ce qu'on va lui donner la domination sur le monde? Et nous les saints, nous régnerons ensemble. Parce que dans ses grâces, le Seigneur avait dit, il va faire de lui le plus élevé du roi des rois. Il va faire de lui le roi des rois. On avait dit ceci. La promesse lui était déjà faite. Il a aussi même reçu cette domination. Parce qu'il avait déjà souffert la mort de la croix. Mais il a ressuscité. Et il a dit tout pouvoir m'a été donné. Et il est monté là-bas au ciel. Et Dieu a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché. Dieu lui a tout remis. Mais quelqu'un précise dans les Écritures, malgré qu'on lui a tout remis comme autorité, malgré qu'on lui a tout remis comme domination, mais aujourd'hui, nous ne voyons pas encore qu'il a cette domination. On avait expliqué, c'est parce que les puissantes nations sont en train de dominer la terre. Les nations puissantes, les États-Unis, les Romains à l'époque, les Anglais, les Français, les Russes, toutes ces nations-là, ils ont même mis sur le monde. Mais un jour, Jésus-Christ détruira la puissance du monde. Jésus-Christ sera détruit. Et lui-même régnera sur la terre comme le roi des rois. Parce que la promesse a été faite à David. Il a fait ça avec pour la dame. Il mettra sa main sur la mer et son bras sur le fleuve. J'avais dit que la mer c'est les mondes. Les fleuves c'est les Congo, la France, toutes les nations du monde. La Bible en parle aussi en termes de fleuves. Et après cela, quand il va frapper les mondes, il sera le plus élevé des rois de la terre. Il va dominer. Et son règne sera éternel. Les royaumes qu'il établira sur la terre, ce n'est pas un royaume qui passera sous l'autorité de notre royaume. Ce n'est pas un royaume succéder le royaume de Jésus. Non. Il va régner sur la terre jusqu'à ce que nous rentrions à l'éternité. C'est ça le règne. Et parmi les promesses qu'on avait données à David, je dis, et c'est parmi les promesses qu'on a données à David. Et après cela, on a parlé aussi de ses enfants. Dieu a dit, si ses fils abandonnent ma loi, sa postérité n'observe pas mes préceptes, je les frapperai de la verge. Je les punirai par des coups. Mais sur eux, je ne retirerai pas ma bonté. On avait dit ceci. Lorsque Dieu faisait ses promesses, la postérité de David n'existait pas encore. Les enfants de David sont nés et ont trouvé toutes ces paroles de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Quelque chose qui a déjà été prédisposé en ta faveur. Et on avait dit, les fils de David, c'est nous les croyants. C'est nous les frères en Christ qui
avons le Saint-Esprit, nous faisons partie de la maison de David. Nous sommes une postérité éternelle. Mais nous devons savoir comment marcher sur ces chemins. Parce qu'il ne manquera pas au Seigneur de nous ramener sur la voie. Il va nous punir si nous déroutons. Il va nous frapper des coups si nous nous écartons de la parole. Parce qu'un père, il châtie l'enfant qu'il aime. C'est pourquoi le Seigneur, sachant que nous sommes ses enfants, pour que nous puissions participer à sa sainteté, lorsque nous péchons, il nous ramène sur la voie. Et comment il le fait? Par la Vierge. Il nous frappe pour nous ramener dans la voie. C'est pourquoi David disait, il dit l'Éternel est mon berger. Et moi, sa brebis, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. On dit ça ou l'être. C'est son bâton. Mais rassure la marche. On dit sa houlette. Il y a la houlette du berger. C'est un bâton en forme de faucille. Cela sert à ramener la brebis qui s'égare. Ramener la brebis qui s'écarte du troupeau. Le Seigneur se sert de cela quand il conduit le peuple. Parce qu'il sait que la brebis s'écarter. Maintenant, il utilise la houlette pour la ramener. Mais c'est ça le châtiment du Seigneur. Pour nous ramener aussi sur la voie. Parce que nous sommes ses enfants. Mais il dit, je ne retirerai pas sur eux ma bonté. Parce que quand Dieu fait grâce à l'homme, grâce à ses élus, le Seigneur ne s'en répond pas. La Bible dit, le Seigneur nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. Et vous avez choisi avant qu'il ne dise que la lumière soit. Il t'avait déjà choisi. Toi, Congolaise, tu t'avais choisi avant qu'on écrit les Écritures de Dieu. Son amour a préexisté avant nous. Et c'est ce qu'on a monté dans les grâces de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Parce que dans chaque enseignement, on doit toujours avoir un point qui est capital. Qui doit être capital, essentiel, motuya. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous devez retenir? À la fin, la soupe. Quand Dieu il parle, il dit, je juré une fois par ma sainteté par rapport à grâce qu'il a faite à David. Il dit, je jure une fois par ma sainteté. Dirais-je à David, on avait dit l'autre fois, quand Dieu pour te confirmer, pour te mentir jamais dans la promesse qu'il t'a faite. La Bible dit, Dieu intervient toujours par un serment. Je prends l'écriture des Hébreux. Hébreux chapitre 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux.
Et le serment est une garantie. Et l'on peut dire ça. Une garantie qui met fin à tous leurs différends. En Israël, quand les gens ont des problèmes, quand les gens font un serment, ils font une alliance, ils se donnent des paroles pour se rassurer que je ne trahirai pas ma parole. Les deux, l'un dans l'autre, ils peuvent je jure au nom de l'Éternel, j'accomplirai à ton égard ce que j'ai dit. Et l'autre aussi dit, je jure au nom de l'Éternel, je ferai ce que je t'ai promis. Même si toi tu n'es plus de ce monde, moi j'accomplirai ces promesses ici à tes enfants. C'est ça que Paul est en train d'expliquer. Les hommes, ils jurent par celui qui est plus grand que eux pour mettre fin à toutes leurs différends. Même s'ils ont des problèmes, il suffit seulement que l'un de fasse ça, je jure au nom de l'Éternel. Et directement ça s'arrête, on croit qu'il va le faire. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution. Dieu intervient par un serment afin que par deux choses immuables. Quelles sont ces deux choses? La promesse ou la grâce ou la résolution qu'il a arrêtée en ta faveur. La première des choses, et la deuxième, les serments. On dit, et par deux choses qui m'ont dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Impossible, il met l'accent là-bas. Et il dit, impossible qu'il mente. Écoutez, parce qu'il a fait deux choses. Il a fait la promesse et puis il a fait le serment. Il jure par sa sainteté. Il jure par son grand nom. Quand toi, Dieu te fait ça, et directement il faut avoir la paix du cœur. Et toi que Dieu l'accomplira dans ta vie. Parce qu'il est impossible qu'il mente. C'est pourquoi dans les grâces de David, après avoir dit toutes ces paroles-là, Dieu est venu à la fin pour mettre la signature. Il dit, cherchirai par ma sainteté. Mentirai-je à David? Est-ce que la propos à David? C'est venu, les promesses de David s'accompliront certainement. Afin que par des choses ignobles, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Puissant. Donc cela veut dire que quand tu fais quelque chose, il te donne une promesse, il fait le serment. Quand toi tu vois ça, directement il faut te sentir puissant.
puissamment. Dans le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Quand nous venons en Christ, frère, Christ est notre seul refuge. Amen. Notre seul. En dehors de Christ, il n'y a point d'autre refuge. Et là-bas, Dieu a fait des promesses. Dieu a fait des promesses. Nous, tel que nous sommes là, j'aimerais vous informer une chose. Si tu vis, si quelque chose de bien peut arriver dans ta c'est seulement à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de l'homme de la terre. Parce que les hommes ne peuvent même pas. Les hommes ne peuvent pas de te faire du bien. Mais ils ne le font pas. Il savait Joseph, hein? Il était en prison. Il a aidé les chansons. Il a interprété les songes en sa faveur. Il lui a dit, quand tu seras là-bas, souviens-toi de moi. Mais regardez une chose. C'est comme là il est sorti de la prison. Cet homme-là, il a chanson. Il est sorti de la prison. Il vit établi. Il a oublié Joseph. Pourquoi? Parce que la vie de Joseph ne dépendait pas des faveurs de cet homme-là. Le seul refuge de Joseph, le seul de Joseph, c'était l'éternel Dieu. Ce n'était pas les chansons. Quand l'éternel s'est souvenu de Joseph, directement il a mis aussi la pensée sur les chansons qu'il avait oubliées. C'est pourquoi je dis, tout celui qui peut te faire du bien, tout celui-là, même les gens de ta famille, là où tu travailles, c'est à cause de Dieu. Si ça dépendait seulement d'eux-mêmes, ils oublieraient. Il te rejetterait. Parce que ta vie ne dépend pas de ces gens-là. On peut te promettre l'argent. Et à la fin, on te déçoit. Ah mon frère, mais toi tu m'avais promis l'argent. Aujourd'hui. Oh non, je n'ai plus d'argent. J'avais promis, mais j'ai trop d'argent. Il reçoit vraiment l'argent, mais il tout. Parce que tu ne comprends pas. Donc ça, le refuge. Et qui me le rend pas mon cause à la mort? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et tu tiens jusque-là. Ce qui est au Zawa, qui me le rend. C'est à cause des promesses de Dieu. Ça va dans la Milaka et en Zambé. C'est pourquoi quand on fait de telles promesses, Dieu fait les serments. Zambé à la parachute. C'est pour. Je dis, et Dieu fait les serments. C'est pour que tu trouves un puissant encouragement. Je ne prêche pas seulement pour prêcher. Je ne prêche pas pour rétimer la connaissance. Seulement. Non. Je prêche pour que tu comprennes. Même si le pasteur n'est pas là. Même si l'homme de Dieu n'est pas là. Parce qu'on n'est toujours pas là. On n'est pas toujours là à tout moment. Mais ça t'arrive, tu lis l'écriture. Ça doit t'arriver que tu lises l'écriture. Tu retiens l'enseignement. Et puis tu as refait le promesse et puis il a
retiré. Je veux prier, ces choses vont changer. C'est pour cela que nous prêchons. Dans ces choses, c'est pourquoi on nous dit. Paul a dit Dieu. Quand Christ est mort, il est ressuscité. Dieu a dit, que je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Les grâces là qu'on a lues. Psaume 89. Dieu avait dit, je prends d'abord Esaïe 55. Écoutez ce qu'il dit. Esaïe 55. Le verset premier jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Je dis au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent. Sans rien payer, c'est compliqué. Comment on achète sans argent? Quand on dit acheter, cela veut dire qu'il faut donner quelque chose. Mais ici on dit sans argent, cela veut dire quand nous venons acheter le salut, c'est au prix de notre foi. Ce n'est plus l'argent matériel. Le salut ne se donne pas au prix d'argent. C'est au prix de la foi. C'est comme les frères de Joseph. Ils sont allés acheter des choses en Égypte. Mais en retournant, ils ont regardé dans leur sac. Ils ont vu l'argent qu'ils avaient donné. C'est-à-dire en réalité, ils ont acheté gratuitement. Amen. On dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui est nourrit? On pèse un bongo. Pour ce qui ne nourrit pas. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez. Écoutez-moi. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Et venez à moi. Écoutez. Et votre âme vivra. Mais écoutez. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Ici, c'est la promesse qu'il donne au peuple. Ah, mais Zali, il a pas. Et c'est déjà, tu vas comprendre avec le Saint-Esprit. Ah, mais les gens, quand on vient acheter sans argent, ah, mais, il y a pas de c'est le temps de la grâce. Il n'y a pas d'effort là-bas. Tu viens sans argent, tu viens avec la foi, tu achètes chez Dieu. Et maintenant la nourriture qui te rassasie pour l'éternité. Et puis on dit, dans cette alliance là, je traiterai avec vous une alliance éternelle. Et dans cette alliance là, je prendrai les faveurs de David. Je ferai en sorte que ça soit éternel dans votre vie. Et l'alliance éternelle, ce n'est pas celle de la loi. Parce que celle de la loi, c'était une alliance passagère. Une alliance qui était seulement donnée pour un temps. Mais l'alliance éternelle, c'est l'alliance que nous avons aujourd'hui. C'est l'alliance de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi en dehors de cette alliance, il n'y a plus de salut. Si quelqu'un dit, moi, je suis le prophète majeur du temps de la
C'est un gros menteur. C'est une alliance que nous avons. C'est une alliance éternelle. Il y avait un prophète majeur. Le matin, du temps de la loi, il est venu avec l'alliance appelée la loi. Romain de Sinaï. Et dans ces temps, le temps de la grâce, il y a aussi un prophète majeur. Les prophète Jésus-Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu avec une alliance éternelle. Il est venu avec une C'est le sang de l'alliance. Qui a répondu pour la rémission des péchés. Oui, mais c'est pas lui pour la bolie, ça m'a souvent sauvé. Le prophète majeur qui t'a dit. Il est venu avec l'alliance éternelle. Pour nous garantir les grâces. C'est pourquoi la Bible dit. Dans l'épreuve, on a lu. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ni la loi. On a donné une autre ordonnance. Après ça, qui malheureusement ressource. Parce que la première ordonnance était inutile. Était aussi impuissant. Impuissant, c'est-à-dire ça n'a qu'une bouillante pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas amené les gens à la perfection. À chaque fois que les gens étaient dans cette alliance-là, il y avait toujours les souvenirs des péchés en eux. C'est pourquoi on devait enlever ça, c'est inutile. Nous nous servons de toi. Mais après le souvenir du péché, c'est pourquoi Dieu, il a introduit une meilleure espérance. Afin que nous puissions avoir de l'assurance. Et puis il a monté encore. Il dit quand les Lévites entrent dans le service, comme Aaron. Le souverain sacrificateur est le souverain. Il s'entraînait là-bas sincèrement. Et puis ils étaient des mortels. Aaron était mortel. Hein? Donc il était mortel. Et c'est là qu'il cela veut dire à un certain moment, un autre l'est remplacé. Et celui qui remplaçait était aussi remplacé. Il n'était pas permanent. Mais cet esprit montrait déjà par ses mouvements. Que la perfection ne pouvait pas avoir lieu avec ces mouvements-là. Parce que celui qui représente les sacerdotes, c'est toi. Lui-même il mourait. Et puis il entrait dans le service de Dieu sans serment. Dieu ne gérait pas. Il dit Jésus. Jésus Christ. Il est éternel. Et puis il n'est pas entré dans le service comme eux. Mais lui il est entré par une prophétie de Dieu. Par une parole de Dieu qui disait Dieu mon fils. J'ai juré à la pindale. Tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. On a déjà vu. Quand tu es juge, cela veut dire que tu es là éternellement. La chose qu'il a dit s'accomplira éternellement. Et la chose dans laquelle vous vous retrouvez, c'est quelque chose de sûr. C'est pourquoi Paul dira, Jésus, quand tu le vois, il est le 40. Il est le 40 d'une alliance qui est plus excellente. Pourquoi? Il ne meurt pas. Il est toujours là. Quand il a offert son sang, il est toujours là en train de crier en faveur de ça.
miséricorde, jusqu'à ce qu'il parvienne à la perfection. Mais l'autre est là, parce que le souci, il présentait les saints. Il présentait après un moment, il meurt. Les Saint-Esprit voyaient déjà un défaut. Le livre saint a écouté sa paix dans mon corps. Parce qu'un intercesseur, il doit rester là constamment devant le Seigneur. Il doit intercéder en faveur des autres. Il doit le souci. Mais lui, parce que il est mortel. Il est un intercesseur éternel. Qui ne meurt pas. La nuit, comme le jour, il est là. Parce qu'à mon côté, il y a un accusateur. Mais toi, intercesseur, tu meurs. Tu vas laisser la brèche à l'accusateur. C'est pourquoi Jésus, notre intercesseur, il devait être éternel. C'est pourquoi tu as remplacé cela. Et Paul, par le Saint-Esprit, il a vu que Jésus est le garant d'une alliance plus excellente. Plus excellente, pourquoi? On explique cela. Parce que ce sacerdoce-là, le ministère de Jésus, repose sur de merveilleuses promesses. Je prends toujours Hébreu. Le chapitre 8 maintenant. Le verset 6, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Hébreux 8, 6, j'ai lu au nom de Jésus. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Pourquoi plus excellente? Qui a été établi sur de meilleures promesses? Coléka, amen. Amen. Et les meilleures promesses, parmi ceux-là, on voit les grâces. Quand tu vois Jésus, rassure-toi. Qu'il est le garant d'une alliance plus excellente. Parce que cette alliance-là est assise sur de meilleures promesses. En dehors de cette alliance-là, il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas une autre alliance. Oh non, moi je suis le troisième Adam. Ça c'est l'antichrist. C'est l'antichrist. Les gens qui s'opposent à l'enseignement. Vous voyez Jésus, Moïse était venu. Jésus aussi est venu. Maintenant aujourd'hui, c'est le temps du frère tel. Antichrist. Et une autre forme est antichrist. Il y en a d'autres qui disent, du temps de Moïse, la parole de Dieu était appelée la loi. Le temps des apôtres, la parole est appelée la scène doctrine. La scène doctrine, l'idée à Pétro, maintenant en ce temps ici, la parole de Dieu est appelée évangile éternel. Évangile éternel, sorcellerie et antichrist. La scène doctrine et l'évangile éternel, c'est la même chose. La parole que les apôtres ont prêché, c'est la même que nous prêchons. Nous ne prêchons pas ce que les apôtres ont prêché. Nous n'entrerons pas au ciel. Le ciel, le royaume des cieux, c'est dans l'enseignement des apôtres. On ne peut pas avoir d'enseignement différent avec ces gens. Nous sommes en
quelqu'un dit, ce qui vous il lit la loi, il lit la loi, la sainte doctrine, l'évangile, il y a. Quand je dis la sainte doctrine, l'Ithéapète, et puis l'évangile éternel, ça c'est la sorcellerie. C'est lui-là. Il dit ça, c'est l'Antichrist. C'est lui qui avait vu les mots, qui avait vu quelqu'un prêcher l'évangile éternel. C'était les apôtres là-bas. C'est Jean qui a vu. Il a vu un ange au milieu du ciel. Il a prêché l'évangile éternel. Mais comment toi tu veux t'accaparer des choses déjà de ces gens-là? Et tu dis que c'est le tien. Notre Dieu mentait. C'est le fils du diable. Ça c'est la perdition. Aujourd'hui, nous prêchons la sainte doctrine. Nous prêchons l'évangile éternel. L'évangile de la grâce. Et en dehors de cela, il n'y a pas un autre évangile. Parce que c'est Paul qui le dit. C'est Paul qui le dit. Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a seulement des gens qui vous trouvent. Et toi aussi, tu es parmi ceux-là qui nous trouvent. Parce qu'il n'y a pas un autre évangile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi l'évangile. L'évangile c'est quoi? L'évangile. Il dit Sangomalam. Non, mais ça c'est à Lingala. Explique évangile français. Dans les services, Sangomalam. À Lingala, c'est Sangomalam. Maintenant, Sangomalam, c'est à Nizibo Sangomalam. Maintenant, tu vas me poser encore les évangiles. Maintenant, tu vois, l'évangile, Sangomalam, c'est le message de Jésus-Christ. Les amis, l'idée à Jésus-Christ. Évangile. Quand dit évangile, c'est le message de Jésus-Christ qui nous est révélé en ces temps, mais qui était déjà dans la loi, les psaumes et les prophètes. Et cet évangile-là prêche la victoire sur la mort au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Je vais prendre ce verset-là et puis on va prier. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Je crois que vous me saisissez bien. Vraiment que Dieu vous donne un entendement spirituel. Romains chapitre 1. Le verset premier. Je lis au nom de Jésus-Christ. Paul. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant dès la part de Dieu. Par ses prophètes dans les saintes écritures. Et cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Et la postérité de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection dans le monde. Jésus-Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous avez entendu? L'évangile. C'était une promesse de la part de Dieu. Mais dans les écritures des prophètes. Amen. Amen. Mais cela concernait son fils. Donc, les prophètes en parlaient
déjà, c'était un mystère. Amen. Par exemple, quand tu vois Moïse libérer les gens, l'évangile va prêcher. Va prêcher que Moïse, c'est Jésus-Christ qui nous libère de la servitude du péché. Mais nous pouvons parler en termes de Moïse. Quand tu lis dans les prophètes, l'agneau de la Pâque, Pascal, l'évangile va prêcher. Que cet agneau-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul disait, Christ, c'est une promesse dans les prophètes. Mais dans ces temps, c'est révélé par rapport au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et cela nous donne la victoire sur la mort. C'est pourquoi Jésus disait, même Moïse ne va laisser pas dans les désert. Et même le Fils de l'homme doit être élevé. Afin que tout celui qui le regardera ait la vie. Aujourd'hui c'est Jésus-Christ. Lui-même il interprète ça par rapport à lui. Et c'est ça l'évangile. Et ça nous donne la victoire sur la mort. Pourquoi il a dit aux juifs, si quelqu'un écoute ma parole, il ne verra pas la mort. C'était des tonnerres. Il ne verra pas la mort. Vous n'avez jamais entendu un tel enseignement. On lui a dit, Abraham est mort. Moïse est mort. Jérémie est mort. Les pères sont morts. Les prophètes. Les gens qui craignaient Dieu sont morts. Qui prétends-tu être? Si vous écoutez ma parole, vous ne verrez, écoutez ma parole, et vous la gardez, vous ne verrez jamais la mort. Tout ce qui s'était passé là-bas, c'était seulement l'ombre, Après, ils sont morts. Même ces gens-là, Noé, il a fabriqué l'arche. Masoua. Il est entré à l'intérieur avec sa famille. Et lui, je suis venu. Les autres sont morts. Lui, il est sauvé. C'est l'image de ce que nous prêchons aujourd'hui. Après, c'est là. Noé est mort. Et l'amour avait l'emprise sur lui. Il s'attendait un tout, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus un jour, il a regardé ses disciples. Il leur a dit, vous êtes heureux parce que vous écoutez ces choses. Il est prophète, est le roi. Vous désirez entendre ce que vous entendez. Ils avaient le souci d'entendre ce que vous entendez. Ils avaient le souci de voir ce que vous voyez. Mais ils n'avaient pas vu. Jérémie, Moïse, David, David, ils avaient le souci de s'asseoir comme ça dans notre pays. Mais Dieu ne leur a pas donné ce temps-là. Ils allaient vous reposer. C'est pour Chantal, c'est pour Arnold, c'est pour le frère Manga, c'est pour le frère Matano. Tu leur disais seulement qu'il y a une classe qui vient de ça. Amen.
même na koloba, il prophétisait les choses comme si cela était déjà venu. Un enfant nous est né. Et moi, on a beau t'amener le fils nous est donné. Moi, on a pris sa bénédiction. Papa, non, on a beau t'amener. Mais un enfant nous est né. Moi, on a beau t'amener le fils nous est donné. Moi, on a pris sa bénédiction. Tout ça, c'est quoi? Nous sommes les animaux. Les soucis. Ils avaient dit pour les suivre ces temps-là. Mais Dieu n'a pas peur. Parce qu'ils avaient appris sa bénédiction.